Départ en permission pour un week-end sympa. Yes, les nouvelles baskets. Les délices au caramel et j'ai réussi à en manger un demi et en plus j'ai réussi à manger ça et en plus hier on a mangé McDo et ça va. Donc nous sommes le 21 décembre et j'ai pris la décision de sortir de l'hôpital seule parce que pour moi c'est le bon moment. Je vous en expliquerai un peu plus une fois à la maison pour finir aussi ma vidéo positivité de la semaine. Mais du coup voilà, j'ai tout vidé, mes sacs sont prêts et je suis prête à prendre le taureau par les cornes. J'ai plein de projets pour ma vie, j'ai besoin d'être dans ma vie, de continuer à me battre certes, mais de me battre chez moi, dans ma vie. Et voilà, c'est un nouveau départ. On n'a qu'à dire jour de pluie, jour de sortie. Au revoir petite Sean. Que la paix que tu m'as apportée puisse être apportée au prochain qui viendra dormir ici. Je remets dans l'excès. Dans l'instant T, bien sûr, je stresse. Bien sûr, j'ai peur. Je suis même effrayée. Mais ce que je sais, c'est que je suis sûre de moi et que j'aurais pris la décision qui, à ce moment, m'aurait semblé la plus juste et la meilleure pour moi. Voilà. Le rôle de John Adams, un homme qui a buté. Donc on est parti pour le petit point positivité de la semaine. Comme vous pouvez le voir, je ne suis plus à l'hôpital. Voilà. Mais je vais vous faire un point quand même. Donc cette semaine, tout d'abord, j'ai réussi à manger sans culpabilité, à vraiment manger tous les repas et de bons repas. Et je fais du sport chaque jour. Voilà. Et c'est ce qui m'aide à déculpabiliser en ce moment. Mais du coup, je suis assez fière de moi parce que j'ai vraiment réussi à manger normalement et équilibré et sans me prendre la tête de qu'est-ce qu'il y a au repas plus tard. Et, enfin, mes pensées anorexiques sont un peu parties là-dessus en me disant, en me rappelant que c'est pas du tout le chiffre sur la balance qui compte. Ce qui compte, c'est
d'aimer notre corps tout premièrement, peu importe la forme qu'il a, et de savoir que si on veut le transformer en quelque sorte, il y avait le sport pour muscler et sculpter tout ça. Cette semaine, j'ai reçu ma commande de chaussettes et de bijoux sur Pull & Bear. Je vous les montrerai très bientôt. Et ma commande de chaussures de basket que j'ai pris sur Asos en promo parce que c'était pendant le Black Friday. Et du coup, ben voilà, je les aime trop. Elles sont trop canons et je me sens super en flic avec. J'ai eu ma première permission du coup ce week-end et c'était juste trop trop bien. J'ai vu mon copain, c'était génial. J'ai vu ma maman, mon frère, ma soeur. Et puis il y avait les décos de Noël et j'ai mis mes cadeaux sous le sapin et j'ai trop trop hâte d'être à Noël. Ça va être trop bien et je sais pas, j'ai un bon feeling. Par rapport à mon appartement, on a réussi, alors c'était compliqué, mais on a réussi à se parler avec mes colocataires tranquillement sur notre changement d'organisation pour que ce soit convenable à tout le monde. Donc voilà, maintenant c'est chacun son étage pour les courses, etc. Comme ça, plus personne ne se met la pression. Et donc on a réussi à régler ça et sans conflit. Et juste, c'est génial. Mon copain m'a aussi envoyé cette semaine une lettre avec des photos de nous deux et son parfum sur un petit coton. Et c'était trop mignon et ça m'a trop remonté le moral. J'ai pu apprendre à connaître un peu plus Marjorie. À qui je ferai une vidéo puisqu'elle m'a demandé de faire une vidéo sur comment assortir ses chaussettes à sa tenue. Je vais voir comment je vais tourner ça, mais je te la ferai Marjo, ne t'inquiète pas. Et si tu regardes cette vidéo Marjo, tout ce que je t'ai écrit dans le petit mot que je t'ai donné, je le pense, et vraiment tu vas y arriver, tu vas t'en sortir comme moi, je vais continuer à me battre et on va tous s'en sortir. Et enfin du coup il y a la sortie. J'avais besoin, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être dans ma vie maintenant et de continuer à me battre tout en faisant tous les projets que j'ai dans la tête. Et je sais pas, pour ma vie, j'ai besoin d'être dans ma vie pour me battre. Et donc j'étais sûre à 100% de ma sortie et je regrette en aucun cas ce choix. Et voilà, donc je continuerai les vidéos positivité de la semaine parce que je trouve que c'est un bon concept, donc voilà. Et d'autres vidéos sont à venir, donc restez connectés. Bisous!